Ce matin, j'ai décidé de bien mettre en place mon bouton klaxon. À l'origine, je voulais faire quelque chose là, mais ça pose problème pour trouver le bon interrupteur et surtout le branchement. Du coup, j'ai décidé de venir ici. J'ai commencé à percer pour mettre l'inclusion du bouton. Plus tard, il y en aura un peu plus gros, mais en attendant, ça va être pratique, surtout quand on conduit avec la main et le pommeau de vitesse juste à côté. Par contre, première difficulté, c'est de faire venir mon câble qui était ici. Jusqu'ici, et je me suis râpé les mains, à passer les mains dans les trous, à réussir à sortir ce câble. Maintenant, je fais le trou, puis je vais venir faire la connexion entre les deux points. Voilà. Voilà, j'ai fini par terminer l'installation de ce petit bouton de klaxon. Il faut que je fasse le nettoyage tout autour à l'acétone, puisqu'il y avait de la colle, il y avait un élément magnétique qu'avait mis l'ancien propriétaire. Et puis là, comme je disais, hop, pardon, c'est que c'est à côté, donc c'est parfait. Le seul truc que j'aurais à redire, c'est qu'il est un peu petit, donc j'en ai commandé un plus grand et j'ajusterai plus tard. Mais maintenant, les fils sont passés correctement derrière l'autoradio. J'ai galéré, je vous cache pas que j'ai galéré. Donc voilà, c'est les petites finalisations à faire, c'est parfaitement fonctionnel. Il me reste aussi à reboucher celui-ci, mais on est plutôt bien. Petite démo soft. Voilà. Donc vous avez vu un bon petit klaxon qui n'a plus rien à voir avec celui qui était d'origine.